La vidéo a commencé. Bonjour les frères. Bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Moi, c'est le dessin animé de la Dossi Gang. Voilà. Le capitaine Brassa, détenteur du Brassa. Voilà. Les gens ne voyaient pas le Brassa. On pensait qu'on m'avait expulsé de mon équipe. Voilà, mais un capitaine reste toujours capitaine. Il n'y a pas deux capitaines d'un bateau. Et personne ne peut le spolier ce Brassa. C'est moi qui suis le détenteur, je suis le propriétaire. Voilà. Je suis devant vous, par le biais de cette vidéo, pour m'adresser au ministre des Mines et de l'Énergie. Bon, je ne connais pas son nom. Voilà, mais tout compte fait, il a un nom à consonance nordique. Pourtant, c'est que, ouais, dans mon Ouattara, c'est le rattrapage ethnique qui prospère, qui sévit dans son gouvernement. Voilà, il sait qu'il c'est un Bakayoko. Bakayoko, Aïssa, tout bien Bakayoko. Tout compte fait, son nom me porte peu. Moi, j'ai reçu un message, voilà, de mon petit frère qui a braqué. Il s'appelle Sissé Noufou. Sissé Noufou m'appelle ce matin. Il dit non, il y a eu des arrestations arbitraires à braquer parce qu'ils ont manifesté. Voilà. Et l'État a pris des mesures, je ne sais pas si c'est l'État ou bien la compagnie de CUE a pris des mesures comme quoi les factures de CUE seront échéancées sur une certaine période. Soit une facture sur la facture sur le jeu sera échéancée, soit par exemple sur 10 mois, même sur 12 mois. Mais monsieur le ministre, ce n'est pas ce que vous demande. Si les gens ont manifesté, c'est parce que le coût de la facture était exorbitant. Voilà. Et la préoccupation de la population, c'est de réduire le coût des factures au rabais. On ne vous demande pas d'échéancer. Comme si vous avez 6 factures et vous dites à la population, vous pouvez payer ça sur 12 mois. Ça encore, ça sent l'arnaque, ça sent le roussi, ça sent la pluie arnaque. Vous prenez des mesures, on vous assimile à des coutumiers. Mais quand vous fabriquez vos pantalons, on constate que le pantalon est sauté. Et c'est ça qu'on veut constater. Donc, monsieur le ministre, la population vous demande de réduire le coût de la facture au rabais. Il est inconcevable que les gens qui vivent dans les studios puissent payer la facture de CUE à 30 000. Pourtant, ils ont un seul ventilateur. Voilà. Et il y a des taxes exorbitantes sur les factures. C'est-à-dire vous, sur la facture là, il n'y a pas d'exonération. Toutes les taxes sont prises en compte, même la taxe ménagère, le ramassage d'ordures. Vous ne ramassez pas ordures, mais c'est vous qui prélevez ça sur les factures des gens. Donc on vous demande de réduire la facture du CUE au rabais. On ne vous a pas demandé de chercher ça sur une certaine période. Voilà. Donc, putain 00, un bête chien. Tous les gens du RDR ont fait des vidéos pour tirer les ras-le-bol. Mais c'est toi, dans ta sale besogne, comme tu as été payé, tu es rémunéré pour ça, pour faire de la propagande, tu dis que les Ivoiriens ne subissent pas le coût des factures du CUE. Donc ceux qui ont marché à Djamila, ou ceux qui ont marché à Boaké, c'est pas que les probabos. Vous voyez, tu dis que ça sent la manipulation. Or, comme moi, je sais que les gens du RDR, c'est des fanatiques. On ne peut pas les manipuler. Eux, c'est leur ado où vient. Maintenant, ils sentent que, ouais, ils sont sentis bernés par Grand Ouattara, qui avait promis les plus de milliards. Mais c'est pas ce qu'ils ont constaté. Donc, juste pour te dire, arrête de te foutre des Ivoiriens. Car Grand Ouattara est la plus grosse arnaque du siècle que la Côte d'Ivoire n'a jamais connue. Voilà. Donc, monsieur le ministre des Mines, on ne vous a pas demandé d'échéancer le coût des factures. On vous demande juste de réduire le coût des factures pour que ouais, tous les ménages puissent profiter. Voilà, moi c'était ma petite vidéo, ce que je suis à faire à suivre. Voilà. Tous ceux qui disent un mille tout le gaz. Voilà. Il n'y a pas aucun. Ensemble. Ciao, ciao.